L'ONG Dynamique pour la paix et le développement, spécialisée en questions politiques et parlementaires sociales, décerne le présent diplôme d'excellence et de mérite politique pour nommer l'honorable député national Livolio Emile. Pour son parcours politique élogé, son assiduité aux travaux parlementaires, ainsi que ses interventions pertinentes, contribuant à l'efficacité du rôle du représentant légitime et valable du peuple congolais, sans oublier ses actions de développement à sa base électorale. Pour ce faire, décidons de lui remettre à ses jours ses diplômes d'excellence et de mérite politique pour faire valoir ce qui est des droits. Je suis comblé de joie de me rendre compte que dans tout ce que nous faisons, il y a aussi des personnes qui nous suivent et qui nous observent. Ce que vous venez de faire aujourd'hui me va droit au cœur. Ce n'est pas seulement l'hymne de la joie, mais je pense que c'est l'appel au devoir citoyen. C'est une façon de m'interpeller, de me demander de faire attention à tout ce que je sais, parce que sans le savoir, je suis toujours suivi. Pour ça, je dois sincèrement vous remercier. Et je vous exhorte à ne pas vous fatiguer. Nous gardons nos portes ouvertes pour que tous les conseils nous parviennent. Nul ne peut agir par lui seul. Nous parlons des conseils des autres, je pense que nous pouvons faire mieux. Ce diplôme d'excellence et de mérite politique n'est pas mon diplôme. En fait, c'est le diplôme de la population qui a voulu que je la représente. Sinon, vous ne l'auriez pas suivi. Je dis félicitations à cette population. Je dis grand merci à vous autres. Pour le reste de l'accompagnement, je me réserve de vous faire des promesses. Parce que j'ai appris qu'il faut éviter des promesses sur une table de repas. Lorsqu'on vous reçoit, on vous fait des honneurs, on vous donne à manger. Vous commencez à promettre à quelqu'un même le paradis alors que vous-même, vous n'êtes même pas le chemin. Le jour que la personne te verra, tu grattes la tête, au besoin tu fuis pour ne pas la rencontrer. Et donc, je me réserve à des promesses, mais j'essaye de dire que restons ensemble. Tout ce que vous avez pour la paix, battons-nous pour qu'elle soit réellement totale dans notre pays. Il est vrai que ça tombe au coin de nez. Une ONG de paix qui me décerne un diplôme pendant que le pays connaît des problèmes d'insécurité. C'est une interpellation. C'est l'occasion pour moi de lancer un message à tout Congolais, d'où qu'il soit, capable d'apporter une pierre pour ramener la paix au pays, de le faire et de ne jamais comploter contre sa nation. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour moi de dire aux Congolais la paix a un prix. Le prix de la paix, c'est le sacrifice, c'est l'oubli de soi. Qu'on s'oublie, qu'on donne l'espace à la nation et nous aurons la paix. Si nos intérêts sont derrière et le Congo est devant, je pense que nous limiterons les dégâts de l'insécurité. Pour l'instant, je vous dis merci et je vous dis de continuer à le faire pour tout le monde. Et je dis à tous les collègues députés, à tous les citoyens congolais partout où ils sont, d'agir pour le bien, parce que les yeux qui nous regardent sont nombreux. Je vous remercie.